Hey, yop tout le monde et bienvenue pour le LP, j'espère que vous allez bien tranquillement, on se retrouve sur le LP. Après avoir fait quelques mages du pack, j'ai voulu ajouter Y-Tech. Le problème étant que... What? Non. C'est quoi ça? Hélas. What? Il y a la soumission des blocs. Ouais, donc du coup, j'ai rajouté des mods, j'en ai enlevé d'autres, j'en ai mis à jour certains, et notamment celui-ci, qui est complètement buggé. On a vu, je vais me crasher. Voilà. C'est très buggé. C'est très 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 buggé. Pourquoi la cobble est soumise à la gravité? J'ai dû rajouter un mode qu'il fallait pas. Peut-être Vineminer qui fait ça. Parce que je l'ai enlevé, Vineminer. Parce que je me suis dit merde, c'est peut-être lui qui me fait chier au chargement à chaque fois, mais j'ai pas l'impression. Bon, en tout cas, il s'avère que il y a des mods qui m'ont fait chier, que j'ai enlevé. L'avantage de Nether Metal, c'est qu'en fait, ils pètent pas les minerais. Comparé à un Nether Or, eux, par contre, font des problèmes aux pigmen et en même temps, ils explosent. Donc, du coup, c'est pas forcément le top. Mais je comprends pas pourquoi le. Voilà, alors ça, c'est pas soumis. Ça, c'est soumis. C'est qu'il doit y avoir un sacré problème en tout cas. N'empêche que pourquoi je suis venu ici, tout simplement, c'est que déjà, bah ça c'est pas soumis à la gravité, donc ça c'est déjà un très bon point. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Mais également, en fait, au lieu de faire une seal touch, 2 petites secondes. Alors la musique t'es bien sympa, elle est calme, elle est douce, elle est tranquillou. Cependant, voilà, au lieu de se faire une seal touch et aller dans les mines et chercher ce qu'il faut en diamant et autres, pourquoi pas tout simplement aller dans le Nether et chercher le minerai qu'il faut. Salut, tu m'en veux pas, non? Déjà en plus récupérer de la glowstone, c'est pas mal aussi. Et notamment essayer de trouver quand même pas mal de choses. Alors là-bas il doit y avoir de l'émeraude. Ouais, émeraude. L'avantage c'est que ça crée pas, ça effraie pas les pigmen. Donc ça c'est déjà un très bon point. Donc du coup je vais faire ça comme ça. Mais surtout ce que je cherche en fait c'est le diamant. Le fameux diamant en fait du Nether, quand vous faites cuire, vous obtenez du minerai de diamant comme si vous l'avez miné de l'Overworld. Donc du coup vous êtes plutôt content. Ah d'accord. Après la mage, le truc il redevient non seal touch. Ok. Waouh. Ah c'est complètement chelou. Ça redevient du quartz normal. J'ai bien fait d'aller en miner avant de mettre la mage. Parce que j'aurais été comme un con. Mais en plus ça mine super lentement. On va dire d'un côté ça c'est bien de mettre à jour les mods, mais d'un côté, peut-être pas trop non plus. Oh, je dis ça, je dis rien, mais. Comment c'est? C'est Diamond, hein? Ouais, c'est le Diamond. Cherche le diamant du Nether. Ah, le voilà. Alors, il y a. Ok, il y a lui. Il n'a pas une couche particulière. Tu vois, ça fait du diamond or. Ça, c'est du lapis. Je vais en prendre du lapis parce qu'au cas où s'il y a un problème, c'est pas mal. Alors j'ai mis mon point quand même hein, pour éviter d'être comme un con perdu. Il y a du coke, il y a du sulfure. Ça
ça, c'est un truc que j'aime bien. Si je m'en rappelle bien que ce soit de la man... Hein, vous m'avez compris. La damantine. Quoi, c'est tout? Ah non. Avec le mode, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je le retire. Better Foliage, il est très bien, sauf que depuis la dernière mage, j'ai l'impression qu'il met plus de la merde qu'autre chose. Donc du coup, j'irai l'enlever. En fait, la Damantine, ça sert à quoi? Ça sert à avoir des minerais assez... avoir un stuff plutôt sympa. Beaucoup plus résistant que le diamant, mais en même temps, ça va me permettre de faire pas mal de choses. L'ardite, je peux pas encore de toute façon. Sulfure. Bah, de toute façon, hein, j'ai le temps, hein, j'ai largement tout le temps qu'il faut. Après le diamant, est-ce qu'il est pas forcément en dessous des couches de lave? Je sais pas. Allez, salut! Eh, bonjour! Service de nettoyage? Ah, ah bah non. Allez, salut les gens. Oula. C'est haut par ici. Ah, de l'iron. Même si on en a déjà pas mal, l'iron, c'est quand même bien d'en avoir encore. Après, c'est vrai que je pourrais limite aller me faire le digital miner. Et lui demander de rechercher par exemple du diamant. Ça pourrait peut-être aller plus vite parce que c'est assez lent quand même. Parce que voilà, on confond souvent le minerai que vous avez vu juste avant avec le diamant. Un peu dommage. Bon, ça c'est l'avantage, c'est qu'on peut en récupérer. Après, il n'y en a pas forcément énormément. Ça, c'est du cool. Est-ce qu'il y en a au moins dans les parois? C'est... Voilà, tu vois, c'est le minerai là qu'on confond avec généralement le diamant. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait énormément. Ah, diamant. Bon, l'avantage, c'est qu'on en trouve quand même. Pas non plus des tonnes. Et en plus, c'est pas comme si c'était un petit peu long à péter aussi. Voilà, on en a deux, donc ça en fait quatre. Ça va, quatre déjà, c'est déjà bien pour commencer. Je vais pas cracher dessus, personnellement. On va peut-être en trouver... Tiens, il y en a encore plein là-bas. On va essayer d'y aller sans se casser trop la tronche. Donc voilà, ça va, c'est plutôt sympa. On commence à avoir du minerai plutôt cool ici. Après, je reviendrai à la mode bourrin. Tiens, l'iron. On va se prendre aussi l'iron parce que ça peut être cool. En plus, on a une petite musique qui nous accompagne tout le temps. C'est... Ah, ça va, c'est cool. Eh, bonjour! Eh, ça va, en plus il y en a, c'est cool ça. Voilà. Eh bah, finalement, tu vois, je ne suis pas mécontent de d'être passé par ici. Parce que du coup, ça me permet d'avoir de la génération. Alors oui, j'ai essayé de rajouter GregTech les gens. Cependant, avec GregTech, il me génère des tonnes et des tonnes de choses que même au bout d'un quart d'heure, le serveur n'était toujours pas up. Donc c'est pour dire que c'est assez long. Bon, après c'est une alpha GregTech, hein, il faut dire ce qu'il est. Donc il y a encore des choses à mettre au point, mais voilà, j'essaierai parce que j'ai voulu le créer en comment une flat map. Ou une map normale également en solo.
Le problème étant que ça crache. Donc ça doit pas être compatible encore avec toutes les versions. C'est pas trop grave au pire. Hein. Rectect, on peut s'en passer un petit peu. Pas non plus ça qui va faire que. Ouais, ça va, il y a pas mal de minerais, tiens. Ouais, zo, on va rentrer, hein. On va rentrer en mode TP parce que. Ouais, c'est qui quoi? Oot. Il y avait un monstre. Un monstre un peu chelou en fait, que je connaissais pas du tout. Ouais, j'aime dire, tu vois, je pensais que c'était du diamant, mais pas du tout. Ouais, comme quoi, hein. C'est. Ça peut être très trompeur. Ah, mais c'est un démon soldeur. Ah, bah oui. Oh, Draconium. Ouais. Mon premier Draconium. Alors, lui, il vous attaque pas si vous l'attaquez pas. Par contre, si vous l'attaquez, déjà une grosse épée. Hein, et c'est une épée en Nether Star. Donc, du coup, bon, vous avez peut-être une chance de la looter. Personnellement, je la. J'essaierai pas de la toucher, perso. C'est quoi comme minerai là-haut? Là, je sais que c'est le Draconium. Mais. Ouais. Donc voilà, un petit peu ce qu'on trouve dans le Nether, c'est plutôt sympa quand même des fois. Du coal, ouais. Faudrait que je regarde un jour. Cobalt, lapis. Putain, il m'a fait peur lui quand il a couru. J'étais en train de me dire, il me fonce dessus ce con. Woot! Ah non, ok. Alors des fois, il y a des bugs d'affichage. Ah bah un diamant. Ouais, je saute dans le vide parce que YOLO. C'est quand même cool d'avoir du minerai. Mais tu vois, il n'y en a pas énormément. C'est fou, hein, mais il n'y en a pas non plus des tonnes. Bon, heureusement parce que ça serait un petit peu dommage, mais. On va se faire un épisode tranquille. Pourquoi? Parce que je vais partir 3-4 jours à la famille. Donc du coup ça va faire du bien de retrouver ma petite maman au bout de 7 mois de. 7 mois? Ouais déjà. 7 mois que j'ai pas vu, donc du coup ça va faire du bien de retrouver un petit peu ses origines. Ah bah diamant, voilà. Donc du coup je fais des épisodes un petit peu en avance. Pas sûr que je puisse voir les commentaires. Mais ça peut être sympa. Assez sympa plutôt. Bon allez, on va rentrer. Hop, je regarde un petit coup pour l'émeraude là. Je vais pas aller trop plus loin non plus parce que je pense pas qu'il y a d'autres choses. Et puis on va rentrer à la maison, donc on va se téléporter. Ah, tu cheats. Ouais, bah ouais, je sais. En même temps, c'est tellement haut le Nether que. Hop. Ah, j'étais en train de me dire et j'allais cracher. Mais non. Donc du coup. Ah, c'est bien, on a du draconium. Le draconium va nous permettre de faire quand même pas mal de choses. Oh, surtout le système de. Pour se téléporter. Ça va être cool. Après, on a la tablette. La tablette de Draco. Avec de la stone autour. C'est vrai que ça pourrait être cool, tiens. Voilà. Oh, Draconic Evolution, ouais, on a tout ça. Bon, l'avantage c'est qu'on a la tablette du coup. Hop. Lapis, gold, redstone, émeraude. La redstone qui est là, l'iron. Et la diamantite.
Cuisine. Ouais, les cobbles, je peux les ajouter. J'ai aussi rajouté le mode ex compressium, qui est un mode de ex nihilo, mais plus poussé. Et voilà, on a du coup nos minerais, on a l'iron. En tout cas, on a déjà pas mal de choses. Donc ça, c'est déjà un bon point. Puis le... Merde, je l'ai jeté. Ah, il n'y a pas d'achievement quand on l'a. D'accord. Je pensais que j'avais un achievement. Ah oui, j'ai rajouté aussi change cube, qui est pas mal. C'est sympatoche. Armor plus, il faudrait que je le fasse un jour. RF Tools, Tech Reborn, Environmental Tech. Ah oui, d'accord. Après, l'achievement, c'est assembler tier 4 Solar Panel. Ouais, bah non, peut-être pas quand même. J'adore l'achievement qui est pas du tout bien écrit. Entity, Entry-Level Infinite Ore. Assembly tier 1 Void Ore Miner Assembleur. Et lui, Assembleur tier 1 Void Ressource Miner. Pour assembler. Après, il demande, je pense, le tier 4, hein, forcément. Infinite Ressource, ouais. Waouh! Modifier Core. Ah, il y a tellement de choses. Des fois, quand j'allais trop en haut, je crachais, mais là, non. Tac, tac, tac. Botania, Minecraft. Ah, c'est tout, j'ai que ça comme. Ah, j'ai pas le Draco. Base métal. Ah, bah, non. Ok, donc, du coup, Void Miner. Void Miner. Void. Or miner, c'est ça. Donc, dans le désert, j'aime bien le truc. Alors, Void Or Miner, il va me falloir. Putain, encore du truc bordel de merde. Cobble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sais pas pourquoi il a pris ça. Mais... Et on va le passer dans le crushing. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. On a le lapis, on a tout ça. On va pouvoir peut-être se faire un petit truc en adamantium. Parce que c'est sympatoche l'adamantium. Ah, il n'y a pas la pickaxe. Ah, il n'y a plus la pickaxe en adamantium. Ah. Ah bah peut-être qu'elle a jamais existé en fait. C'est moi qui râle complet. Diamant, diamant, diamant. Ouais. Va se faire un petit plastron. Va se faire. Peut-être pas forcément ça. Voilà. Ça on va avoir des plus belles choses. Alors Protect 3, Armor 8. Là. Hop. Ensuite, ça, et puis on va foutre ça. Voilà. Déjà, on a une bonne protection. Après, c'est vrai que je pourrais me faire... En fait, dès que j'ai la... Là, déjà, j'ai résistance. Et je crois que j'ai résistance 2 dès que j'ai l'armure au complète. C'est pas sûr, mais je crois. Sinon, tu fais un boucan d'enfer, toi, je te jure. Hop. Tac, et puis hop, hop. Voilà. Comme ça fait un petit peu le truc en haut de chaque. À me permettre de faire pas mal de choses. Donc, du coup, lui. Bon, il est toujours en train de faire son petit boulot. Je trouve ça cool. Lui, il en a 4. Donc, du coup, elle s'est transformée un moment en moussie. Donc, elle a été pétée aussitôt. C'est vrai qu'on pourrait se mettre des protections des fois des... De l'efficacité, tiens. Efficacity. Efficiency. Sur la Paxel, ça peut être pas mal. Ça, à chaque fois, je trouve que c'est long. Bah oui. Forcément. Du coup, Void Miner. Alors,
On va en faire qu'un, parce que après le Void 2 il commence à me un petit peu cher. Donc il va me falloir un laser. Je préfère le faire à la main tout de suite en fait. Une lens. Donc un clear lens. Voilà. Des blocs d'or et le quartz. Gold. Voilà, Void 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut pour le Void... c'est quoi, c'est le Void Ore Miner? Ah, c'est pas le Void Ore... Ah bah oui, bah non. J'aurais même pas pu l'avoir le bleu de toute façon. Donc c'est bien lui. Void Ore Miner. Void Ore Miner. Il me faut 24 structures, bloc tier 1, 20 machine base, 2 laser core, 1 clear laser lens colored. Ok, si tu veux, hein. On va faire ça, pouf, comme ça je l'ai directement sur mon côté, voilà. Structure, bloc tier 1, il m'en faut 24. Il me manque du gold, j'ai bien fait d'aller en récupérer un peu du gold. Parce que je vais le passer en crushing. Voilà. En quartz. On prend 27 de plus, voilà. Comme ça, je vais pouvoir les cuire. Pouf pouf. 44 de gold, normalement ça devrait aller. Structure. Structure. Tiens, 1. Voilà. 24. 48, c'est parfait. Hop. Donc c'est en train de crafter. Qu'est-ce que c'est bien applied quand même. Même si c'est du fait, refait, refait et encore refait, c'est quand même bien. Voilà. Voilà, comme ça, c'est en train de se faire son boulot. Tac et tac. Ensuite, il me faut des machine base. Ah, machine base. Machine base. Je pense qu'il va me... Oh putain. Basalt. Basalt. Basalt, j'en ai 11. Ouais. À mon avis, je vais devoir aller en miner. Allez, en miner. Ah oui, on m'a dit aussi que le pattern se trouve dans le réseau. Ouais, je confirme. Merci à celui qui l'a dit dans les coms de l'épisode dernier. Donc, il me faut machine base. Machine base, il me faut des iron bars. 16. Du gold en version poudre. Voilà, il me faut la résine. Bah normalement ça devrait aller. Alors, je vais te foutre ça là, je vais foutre ça là. Maintenant, il me demande 20 machine base. Machine base, il m'en demande 20. Il va me manquer 9 basaltes. Où est-ce que j'ai mis la descente? Alors, allons chercher du basalte. J'espère qu'il me demande que du noir et non du... Pourquoi j'ai du night vision? J'ai l'impression d'avoir night vision. Pourtant, j'ai pas demandé night vision. Compressed skeleton. Ah, c'est vrai, quel mode là? Ouah, j'ai l'impression d'avoir...
What? J'ai l'impression d'avoir vraiment le la night vision à gogo. À part ici, je l'ai pas. Bon, j'ai pas de torche. J'ai une torche. Ah, c'est chelou. J'ai vraiment l'impression de l'avoir à gogo. Bon, basalte. Comme quoi, hein, c'est pratique d'en avoir du basalte. Alors, quand je mine, j'ai l'impression que mes frames drop. Ça doit être un calcul de lumière derrière. Bon, 58, ça devrait le faire. Voilà. Ah bah, il fait nuit. Ah bah, il fait jour. 173 mètres le home. Waouh. Attends, je vais me téléporter. Voilà. Ça sert un petit peu à ça aussi de se téléporter. Hein. Alors, on est d'accord, ça se cuit pas. Donc, tac. Ça, on s'en fout un peu. Donc, machine base, mon fou 20. Voilà. En train de se crafter. Tu vois, là, il indique 0 alors qu'il est encore un petit peu long à crafter en fait. Ouais, par rapport à ce que je disais à l'épisode d'avant, ouais. Un petit problème. Laser core. Deux laser core. Voilà. Et un clear laser. Laser lens. Un clear laser lens. Ok, c'est un truc comme ça. Donc il faut une lentille au milieu et un truc comme ça. Voilà. Alors ensuite, est-ce que j'ai des basiques? Ouais, j'en ai un. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour voir là-haut si je peux. Voilà, de la cobble. Parce que je vais voir si je peux passer. Par là. Donc déjà ça génère. J'adore. Eh, max input 1000 et l'autre il sort quoi? Du 2000. Donc déjà on est à 2000 RF. Hein. On va foutre le output par ici. Tiens. On va foutre le input par là. Ah putain, mais c'est quoi cette merde? Faut vraiment que je retire ce mode. Ah franchement, c'est vraiment de la merde. Faut vraiment que je trouve le mode qui me permet de faire ça. Parce que c'est plutôt chiant. Alors que la Netherrack, ça fait rien du tout. Voilà. Non, on va plus le foutre ailleurs de toute façon. On va vraiment le foutre plus ailleurs. Pourquoi? Parce que je ne sais pas la taille qu'il prend. Je vais juste le mettre un bloc au-dessus, tiens. Void. Ok. Déjà au niveau de du truc, je comprends pas. Ah bah attends, j'ai peut-être ça justement. Void miner ore. Voilà, il fait du 7 par 7 par 4. Du 7 par 7 par 4. Ok, bon, on va se mettre déjà en dessous. Donc du 7 par 7. 1, 2, 3, 4. Voilà. D'accord.
Ouais, forcément. Pourquoi ça veut pas? De toute façon, je vais voir ce qu'il faut, hein, mais. À mon avis, c'est juste une petit problème de bloc adjacent. C'est pas non plus la mer à boire. Oui, multi-bloc assembleur. Quoi ça sert maintenant? Ça, c'est la lens, donc elle doit être là. Alors, j'ai la lentille là. Je vais aller doucement avec ça quand même. Alors, pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour savoir où est-ce qu'il est le centre. C'est tout simplement. Alors, du coup, j'ai le Void Miner ici. Void Miner est une multi-block machine. Mine from the Void. Cost large. Oui, bah si tu veux. Target différentes ressources. Ouais. Any modifier. Any place modifier core. Multi-block position. Bello contrôleur. Ouais. En dessous du contrôleur. Ok. Bouton laser. The button. Au-dessus du laser core. En dessous plutôt. Doit avoir une vue sur la bedrock. M'en doutais un petit peu, tiens celle-là. Il va te falloir un accès à la bedrock. Eh ben, on va te foutre une. Pourquoi la stone se transforme en cobble? Mon dieu. Ce serait pas la paxel des fois. Attends, je vais la miner à la main, voir un petit peu ce que ça donne. Putain, mais c'est même long à la main, c'est beaucoup plus long que le vanilla. Ah, je comprends pas là. Attendez, ça, y a vraiment un truc qui ne va pas du coup. Faut vraiment que je trouve ce que c'est. Putain, un coup, je suis en 4. Bon, tous les minerais qu'il y a aux alentours, ils sont détruits. Eh, bonjour. Ah, d'accord. Se trouve dans un mineshaft. Salut. Voilà. Vue sur la bedrock. Attends, ce que je vais faire, c'est ça pour éviter les problèmes. Voilà. Bon, en tout cas, il faut dire que quand même, c'est haut, hein. Alors, ça se voit déjà, j'ai le laser. J'ai une vue directement déjà sur la bedrock. Voilà. Ça se voit pas du tout. Ensuite, maintenant que ça c'est fait. Voilà. Speed modifier, indicateur de ration de mine, accuracy modifier, lens target touchance. Ok. Energy cost 128 000 RF. Duration, ok. Après, c'est du Void 2, ok. Donc, ce qu'il va me falloir, c'est du coup. Donc, 1, 2, 3. Il me faut 3 capacitor bank. Capacitor bank. Il va m'en falloir 3. Bah, je vais faire les trois, tiens.
Capacitor, gold. Je vais même les faire en craft auto parce que sinon ça va me prendre le chou assez longtemps. Voilà. Capacitor, pouf. La redstone block, hop. Et capacitor général. Voilà. Ouais, forcément, j'ai pas ce qu'il faut. Mais il faudrait une autre interface. C'est magnifique, j'en ai un de plus. Hop là. Donc, basique capacitor, j'en demande 3. Ça me les craft, vous voyez, il reste une seconde alors que j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Peut-être qu'il me faut un chest. Parlant de ça. Oh, je vais prendre un chest en diams. Yolo. Oui! Il mine déjà la première. Alors du coup, là actuellement en fait, il bouffe 1000 RF. Ça se voit. Ah bah d'ailleurs, on va partir sur du 4000. Voilà. L'énergie actuellement c'est 6080 alors que je demande du 4000. Pas très grave, hein. 2, 3, 4. Ça va, on a quand même ce qu'il faut en énergie, hein. Merci le solar. Donc du coup, en fait, si je fais input on, il bouffe du 320 RF par tick. Ça va, c'est plutôt raisonnable. Et puis, what the fuck? Ça sert à quoi? Weatherproof, only player unbreak. Ah, faut faire des structures. Ah, c'est pas mal, tiens. Puis là, c'est du silver. Ah ouais, c'est vraiment un miner global. Eh bah, c'est cool. Bah, c'est cool. Ce qu'il me faudrait pour le numéro 2. Sur 64 000 RF. 1 million d'énergie buffer. Ouais, ça pourrait se le faire, hein. Voilà, donc nous on va se laisser là, hein, par rapport à l'épisode. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Sur ce, bisous tout le monde et à la prochaine. Oh, ça va miner. Ça va miner tranquillement. Je vais voir éventuellement pour faire un. Comment? Un deuxième. Pas forcément un deuxième, mais plutôt un. Comment j'appelle ça? Un tiers 2. Hein, je vais voir ce que ça donne pour le tier 2. Bon, en tout cas, c'est super beau. Je ne pensais pas du tout que ça soit aussi compliqué, mais. Mais en fait, c'est simple. C'est vraiment simple. Bah, allez, sur ce, bisous tout le monde. C'était P. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et du coup, rendez-vous à la prochaine. Bisous. Oh, que c'est beau.